Grande et bienvenue sur votre carrière FDJ Finals sur votre chaîne Magnussen en attaque. Nous sommes à l'épisode 6 de ce Giro avec un rapprochement et une première victoire des Godu sur la 15e. C'était notre dernière étape, une arrivée au sommet où il a collé 1 minute 15 à Primoz Roglic. Et là maintenant, on est lancé sur notre lancée, on est vraiment lancé pour la conquête, vers la conquête du maillot rose. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, au menu, c'est encore 3 étapes comme on en a l'habitude. On va faire donc cette étape de moyenne montagne et 2 arrivées au sommet pour pouvoir peut-être faire basculer ces Giro. Ce sont des étapes de la dernière semaine, donc on rentre, le Giro rentre maintenant dans sa dernière semaine, la semaine qui décide, la semaine de tous les enjeux où le classement général est souvent plié ici. Donc entre temps, il y a une course de chez les jeunes, la Ronde de l'Isard, qui a été remportée par Alexander Badmer. Donc lui, c'est Alexandre plutôt Badmer. Lui, on le suit, hein. Donc il est dans notre équipe formation, donc on va lui proposer un contrat l'année prochaine. Il passera pro, il a des très très bonnes notes, je le suis un peu de très près. Donc il a remporté là avec une victoire d'étape au niveau des il a gagné l'étape 2 de ces rondes de l'Isard. On va voir un peu à quoi ressemble cette étape 2. C'est un grimpeur, hein. Voilà, donc c'est une arrivée au sommet, il s'est imposé là, ça c'est des bonnes augures, très bien pour notre jeune. Donc il remporte ses rondes de l'Isard 2020, futur coureur de notre formation. Donc ça c'était la nouvelle de notre côté. Et puis après, au niveau de morale, voilà, Rudy Mollard n'est pas content, programme trop chargé. Mais bon, le plus important aujourd'hui, c'est le Giro. Donc on verra tout ça au calme. Donc le Giro, dont on a déjà rempli l'objectif du sponsor, c'était juste de remporter une étape. Mais là, on va au-delà des attentes de notre sponsor, qui doit être content de ce que l'on est en train de proposer comme menu. Donc aujourd'hui, une étape de moyenne montagne, 2e place pour au niveau du classement général pour Godu, qui est également premier dans le classement par points. Il ne reste plus que la montagne, il est déjà 3e au niveau du classement de montagne. Voilà cette étape de 119 avec d'entrée de jeu un col première catégorie, 32 points répertoriés, donnés, distribués. Et on est très bien avec Godu, plus 5 stages de reconnaissance. Donc on va attaquer cette étape vraiment pied sur le plancher. Donc on va aller tout doucement et placer peut-être une attaque ici à la fin. Ça rend en fait une espèce de boucle ici. On fera deux fois, trois fois cette côte deuxième catégorie. Ça nous sourit, hein. C'est des étapes comme ça. Donc on va suivre Lutsenko, on l'a vu attaquer à chaque fois ici. Et peut-être Daniel Martin qui était bien placé au niveau du classement, mais là après le chrono il a chuté. Mauvaise journée pour lui, mais voilà. Donc voilà, c'est parti pour cette 16e étape de 219 km. On va regarder les favoris. Roglic, Pogacar, Yates. Alors, Godu, enfin, il fait son apparition dans allez, une étoile. On va s'accrocher et voir ce que ça va donner. Let's go! Allez, c'est parti. Étape 16 de ces Giro 2020. Une étape où l'on va assister à un boucle de deuxième catégorie répertoriée. En fait, on va monter 2-3 fois. Alors que Samoumen place déjà une accélération. Ben O'Connor également qui sort. Ça peut donner. Hein. Donc ces premiers cols ici peuvent être en fait une rampe de lancement pour des grimpeurs qui peuvent, à partir d'ici, partir déjà. Et tenter une aventure devant, parce que là 218 bornes, c'est quand même pas donné, alors que demain on va avoir une arrivée au sommet. Donc il faudra pas en faire davantage ici, hein, sur cette étape. Être toujours vigilant, le bon coup peut partir, et être vigilant, repentre quand ça sera nécessaire. On va se retrouver les amis pour faire le premier grimpeur de cette journée. Attention, ça bouge, hein, dans le premier grimpeur, et tout de suite, hein, ça bouge tout de suite avec Samoumen et Rudy Mollard. On a réussi à placer Rudy Mollard dans l'échappée, c'était porte ouverte. Le peloton a laissé filer beaucoup de monde. Rudy Mollard s'est fait contrer par... Samoumen plutôt, s'est fait contrer par Rudy Mollard.
et Rudy Bodard va aller chercher ses grimpeurs première catégorie. Et oh là là, il se relève hein, complètement, alors que les Quick Step, les Omega, les deux Kennec Quick Step reviennent avec Pizzeri. Pizzeri qui était deuxième, qui était 8ème à 42 points. Il est en train de faire, il est sorti hein, pour aller chercher ses grimpeurs, ses maillots de grimpeurs avec 3 équipiers autour de lui. Et nous, on est dans le peloton avec un peloton qui monte calmement sur ce tempo avec le maillot blanc et le meilleur, le maillot Chiclamen ici, Godu, qui est plus 4 et à 1 minute 6 de Primoz Roglic. Allez, on fait ensemble le 39 derniers kilomètres parce que les autres grimpeurs, on l'a pas fait, sinon la vidéo risque d'être longue, sachant qu'on aura deux arrivées au sommet. Donc vous allez être servi, le 3 bornes ici au sommet de ces grimpeurs, 3ème catégorie, regardez, le positionnement est capital, hein. c'est un chemin étroit, il faut être bien positionné ici dans le peloton, regardez le peloton qui va débarquer là-bas derrière, hein. Le peloton qui est juste sur les talons de ces hommes ici, le peloton est là, emmené par les coéquipiers. Attention, Rudy Bollard bouge, amené par les coéquipiers de Daniel Martin. Rudy Bollard ici bouge avec Mühlberger, avec Pizzeri. Nathaniel Berhan qui va tenter. Eh, le peloton, hein, le positionnement était capital. Ils sont en train d'amener. Oh là là, Mühlberger qui contre. Ah là, grosse bagarre ici. Hein. Regardez Pizzeri qui reprend des points là, des bonifications. Et il s'est fait reprendre ici. C'est Bollard qui passe au sommet. Et derrière, on revient au niveau du peloton, Godu qui accélère, hein, on accélère ici, Godu qui est en train d'accélérer, là il va basculer, provoquer une cassure, attention, Godu qui accélère ici, le positionnement de Primoz Roglic, il est un peu plus bas là-bas, Godu qui bascule, le peloton qui va être réduit, voilà, l'impulsion de Godu a fait casser un petit peu le peloton, à 22 coureurs, à 31 km de l'arrivée, le maillot rose est passé, le maillot Chiclamen avec... Le maillot rose plutôt, avec Georges Bennett tout seul, Roglic qui est là, et Godu qui est tout seul aussi. Il y a des piégés ici, hein, donc ici on va retrouver Boké Mollema, et il y a Yates dans Boké Mollema, et il y a également Madouas qui est ici, piégé par l'accélération de son leader, mais bon c'est pas très grave, hein, Madouas. Et là, juste pour accompagner, malgré une 10ème place d'ailleurs, ils viennent de revenir dans le peloton, et on se dirige hein, vers... une explication encore hein, sur cette côte là, on a compris que c'était un sentier étroit complètement, il faut être bien positionné pour aborder ces dernières difficultés, ces dernières bosses, ah, carrément un mur, hein. Ensuite le final également, ça monte. Hein. Allez, Ben Hermans au service de Daniel Martin, lui qui était très très bien avant le chrono, il a vraiment connu un jour sans dans le chrono, regardez comment ça monte, hein. Ça c'est le final. On va passer sur la ligne d'arrivée pour une première fois avec Godu en tête de ce peloton. Ça va monter, ensuite ça va encore remonter. Regardez hein, la pente, le pourcentage. Et voilà, Neyland qui roule alors que au niveau des hommes de tête, on n'est plus qu'à 9 avec Devinets maintenant qui travaille pour Pizzeri. Et Rudy Bollard va peut-être saisir son occasion ici. Et l'écart n'est plus du tout énorme. Allez, 19 derniers kilomètres pour les hommes de tête. Rudy Bollard dans la roue de Devinets. Devinets a roulé. Il a roulé. Hein. Il a roulé pour son leader, Pizzeri, qui va probablement prendre la tunique Azzurro. Ah, il est là. Nathaniel Berhan également. Donc, dernier passage. Voilà, dernier passage pour les hommes de tête au niveau de ces côtes. Deuxième catégorie. Allez, c'est parti. Avec Pizzeri, Rudy Bollard dans les 15 derniers bornes. Le peloton est à près de 2 minutes en fait hein, sur les hommes de tête. On va dire peut-être une avance conséquente à 14 km de l'arrivée. Ça semble ici, ça va être la victoire va se jouer peut-être ici. Hein. Attention, ça bouge ici avec Mühlberger. Attaque de Mühlberger ici, suivi par Ben O'Connor. Et tout de suite, Rudy Bollard qui reprend aussi dans la roue. Attention, le peloton qui arrive là-bas derrière avec les Michelton Scott. Yates qui est là,
une accélération de Michael Woods au glitch qui bouge. Godu qui gagne, Michael Woods y va. Michael Woods y va avec Simon Yates. Godu qui a été coincé là-bas. Mal positionné. Lutsenko qui va bouger. Ah voilà, Lutsenko qui bouge ici. Lutsenko, hein, on avait dit que Lutsenko aime bien ce genre d'étape. Il bouge ici. Et Godu qui sort en même temps. Roglic roule. Il laisse travailler. Allez, allez, le contre ici de Godu. Godu qui sort. Godu qui sort avec Simon Adam Yates. Roglic n'a pas bougé. L'écart que vous voyez, c'est l'écart qu'il y a entre Godu et Roglic. Allez, Simon Adam Yates va relayer 23 secondes. Ah bah si on arrive à prendre du temps à Primoz Roglic, bah voilà, regroupement avec Primoz Roglic. Les hommes de tête, il n'y a plus que... Attention, ça bouge encore ici. Ça va bouger encore ici avec Simon Adam Yates. Avec Pogacar, ils sont partis à 3. Roglic toujours distancé un petit peu, un temps distancé. Et il revient, hein. C'est une virtueuse de la descente. Alors que les hommes de tête n'ont plus que 34 secondes. Je pense que la victoire d'étape va se jouer ici. Les leaders vont devoir s'expliquer sur cette descente. Attention, ça répare encore ici. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne avec une accélération. Et Godu qui prend tout de suite la roue de Yates. Yates qui accélère dans les 5 derniers kilomètres. Il va tenter de revenir ici. Entre Mollard qui va peut-être travailler. Il va travailler pour Godu. Ah ouais, c'est très très bien. Visconti dans la roue. Et ils sont partis à 4. 42 secondes hein, pour le groupe ici. Rudy Mollard au service de Godu. Alors que derrière, Bokemodem a tenté de sortir. Regardez, regardez, c'est parti. Rudy Mollard qui sert de rampe de, rampe de lancement à Godu. Voilà, la flamme rouge ici. 31 secondes là-bas derrière, c'est parti. Oh là là, c'est parti. Godu qui va produire son effort. Il va aller chercher l'étape. Godu va s'imposer. La victoire. Oh non, non. C'est pas vrai. On va voir un petit peu le final ici. Je sais pas qui a gagné, mais on va voir ça tout de suite. C'est vraiment pas possible, hein. Pas possible, alors que l'on pensait avoir fait le plus dur là, mais Godu s'est fait shipper la victoire par Giovanni Visconti. Regardez un peu le final, hein. Le final, on a fait du Alaphilippe. Je sais pas comment il a fait Visconti pour venir coiffer. Je pensais vraiment qu'il n'aurait pas de punch pour venir chercher. Regardez, hein, il est remonté ici, Rudy Mollard qui a battu un très très gros travail. Et en remontant, il vient, il coiffe vraiment fort. Mais bon, on reprend du temps à Primoz Roglic et on prend des bonifications également par rapport à Adam Yates. Allez, on regarde un peu le classement à la sortie de cette 13e étape. Regardez vraiment la photo finish, hein, Godu qui pensait avoir fait le plus dur, mais il se fait reprendre vraiment par... Oh là là, plus jamais ce genre de truc. Visconti qui remporte ici, qui ship vraiment la victoire à Godu avant cette arrivée au sommet. Bah c'était bon, partie remise. Hein. Partie remise, regardez le temps qu'on prend déjà à Primoz Roglic. 23 secondes hein, plus des bonifications. Donc on revient à 37 secondes du maillot rose. Et Daniel Martin qui repasse devant Madouas avant cette arrivée au sommet. Qui va peut-être être théâtre de changement, d'explication entre les leaders. Ça, ça va donner encore des... Ça, c'est des bons augures, des très bons augures pour une arrivée au sommet. Alors, c'est parti, on va se retrouver au départ de cette... Non, c'est parti, on va lancer cette 17e étape. Une étape qui va finir au sommet. Ça, c'est pour les hommes du général. Explication en vue entre Primoz Roglic... Godu, qu'on a vu très 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 aérien, 3 cols, 4 cols complètement et une arrivée à Madonna di Campiglio, 194 bornes, 17e étape, la fraîcheur commence à jouer, hein. Là ça commence à rentrer, on n'est pas parmi les favoris mais c'est pas très grave, on va quand même tenter avec Godu qui se rapproche du maillot rose, ici il faut reprendre du temps à Primoz Roglic. On sait qu'il y a 15 bornes d'efforts solitaires qui vont suivre là-bas derrière. Ça, il faut être vigilant. Regardez, Godu qui prend tout de suite hein, la tunique de meilleur grimpeur devant Pizzeri. Je pensais que Pizzeri avait pris. Donc on est premier partout, sauf au niveau du classement général. Donc c'est parti pour cette 17e étape. Let's go. Ah là là.
ça s'est encore produit alors que l'étape était vraiment grandiose, hein, une belle étape. Mais je sais pas ce qui se passe avec Frappe, ce que j'utilise pour filmer. Vous avez raté en fait une grosse étape. Mais je viens de voir également, je vais un peu vous faire un résumé, je viens de voir une sinusite de Primoz Roglic à l'infirmerie. Je sais pas pourquoi. Bon, on regarde les résultats au niveau de ces Giro. Cette étape qu'on va essayer de décrypter. Donc c'est l'échappée qui était allée au bout. L'échappée va au bout avec une victoire de Sam Hoomen qui conforte également la tunique Maria, la tunique Azzurro. Par contre, voilà, l'information, c'est que Godu est le leader du classement général. Il était parti à 3 km, il a repris tout le temps qu'il devait reprendre à Primoz Roglic. Regardez, ici, c'est cette étape. Regardez, Godu qui termine à 4 minutes 9 de Sam Hoomen. Et Roglic qui termine là à 4 minutes 53 de Godu. Ce qui fait que l'on prend la tunique de leader du classement général. Et Godu, Madouas a fait réapparaître au niveau de... Enfin, réapparaît dans le top 10. Et Sam Hoomen, hein, au prix de son exploit, est parti chercher la tunique et faire un bond également. La tunique de grimpeur et faire un bond dans le top 20. Regardez le classement. Godu devant Peter Sagan. Et au niveau de classement, il y a 87 points entre Godu et Sam Hoomen. Là maintenant, c'est lancé. Donc on est bien reparti. On a pris la tunique à Primoz Roglic. Vraiment désolé que vous n'ayez pas vu cette étape. C'est l'étape qui a permis à Godu de reprendre du temps à Primoz Roglic. Il est vraiment sorti à 3 km de l'arrivée. Et derrière, ça s'est tassé. Hein. Donc ça s'est regardé. Et Pogacar, c'est Pogacar qui avait lancé. On a suivi Pogacar, ensuite on l'a contré. Et puis après, c'est remonté. Pogacar, par contre, est en train de remonter. Hein. Regardez, il est 5e à 6.23. À presque une minute de Higuita, Sergio Higuita. Très bon Giro de Tadej Pogacar. Donc on va attaquer alors cette étape, cette dernière de notre épisode. Je suis vraiment désolé que vous ayez raté ceci. C'est... Bon, ça, on va simuler cette étape-ci. Bah, ce truc Laval, boucle de la Mayenne, Laval. Comme ça, on va se concentrer sur cette Giro, la dernière étape de notre épisode. Une arrivée au sommet au niveau du Stelvio, le grand Stelvio, juge de paix également sur cette étape. Alors, matériel, prototype, très bien. Bon, on va essayer ça. Dans la course, on va utiliser hein, pour favoriser l'évolution, la progression, pour favoriser la progression de l'essayage de ces matériels. Voilà, le Stelvio avec un col hors catégorie Passo de Stelvio et une arrivée à Torre de Fraile. Une étape de 206 bornes d'entrée de jeu. On a un grimpeur deuxième catégorie, il y a un autre grimpeur. Ça, il faudra juste contrôler juste le peloton et contrôler avec Godu. Très bonne préparation de Godu qui est leader maintenant classement général. C'était pas un stage de reconnaissance ça. Aïe aïe aïe. Attention à la fraîcheur. Dernière étape de notre épisode. Donc on va rester sage dans le peloton et on va prendre les choses en main maintenant qu'on a le maillot. Contrôler tout ce qui va se passer, s'il y a moyen de reprendre du temps à Primoz Roglic, on va le faire parce qu'il y a un chrono de 17 bornes, la 21e étape, c'est un chrono de 15 bornes, donc il faut toujours un matelas à prendre sur Primoz Roglic, on n'hésitera pas. Allez, c'est parti. Bienvenue à tous au départ de cette 18e étape. Dernière étape de notre épisode, on est reparti, une étape de 206 km avec plusieurs cols répertoriés, dont celui-là, Passo del Stelvio, un col mythique déjà du côté de cette Giro. Attention, le Recan Messine passe à l'offensive, Vincenzo Nibali accélère avec Ben O'Connor, un bon groupe de grimpeurs là,
Alors un code mythique qui va attribuer 40 points à celui qui passera au sommet. Et il y aura également Tori De Fratelli et une descente un petit peu en faux plat descendant pour donner, pour conclure en fait, pour finir en beauté cette étape-ci. Attention, ça sort encore avec Visconti et Rada. Il y a un grimpeur d'entrée de jeu classé deuxième catégorie. Et donc, vous savez, dommage hein, que vous ayez raté cette étape, ou l'étape qui a consacré Godu pour prendre le maillot à la surprise générale. Et aujourd'hui, ça a boosté son moral. On a plus 5 avec Godu. Donc, il faudra s'attendre à des grosses bagarres. Hein. Donc, attention, hein, parce que Roglic n'est que à 7 secondes de Godu. Donc, ça, il faut prendre en compte également, sachant que la dernière étape de cette Giro va être une étape de contre-la-montre. Donc, on va essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de distancer ici, dès que l'occasion se présentera, distancer Primoz Roglic. Donc on se retrouve ensemble les amis pour faire ensemble ces grimpeurs deuxième catégorie. Let's go. On est à 17 ici sur ces grimpeurs deuxième catégorie alors que Ben O'Connor passe devant. Visconti qui a laissé passer Ben O'Connor, on fera un petit peu l'inventaire des coureurs qui sont là. Regardez l'accélération de O'Connor qui accélère. Ils sont partis à 5 avec Caruso et Rada. Visconti, c'est parti à 5 avec Ben O'Connor. Caruso qui est là et Mollard également deuxième au niveau de classement de grimpeur. On va tenter un petit peu de reprendre du temps à Sam Moomen hein, qui était parti chercher l'étape d'hier et le maillot également. Attention, attention, ici ça va basculer, on passe troisième derrière Visconti. Et au niveau du peloton, bah, pas de changement dans ce peloton-ci. Je pense qu'on laisse un petit peu partir, filer tout le monde. En attendant, on préserve nos forces probablement pour les deux arrivés au sommet qui vont vite arriver lors de l'épisode prochain. Deuxième grimpeur de la journée, celui-là par contre, Passo Castra, première catégorie, avec 32 points attribués et une pente complètement noire. Ça va faire très 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 mal, hein. Donc c'est quasiment un mur, hein. On va être aux alentours de peut-être 15-17%. Et notre leader ici, grimpeur, n'est pas très en forme alors que ça bouge, hein. Ça attaque, regardez, Rudy Mollard laisse travailler. Ah, c'est Visconti qui a placé l'accélération. Oula, qu'est-ce qu'il faisait sur la route celui-là? Visconti qui suit Caruso et il s'écarte hein, parce que là, il n'est pas en un. Il n'a pas un très bon jour. Là, il n'est pas dans un très grand jour, Rudy Mollard. Et Visconti qui accélère. Il continue. Caruso toujours dans la roue. Visconti va aller chercher ses grimpeurs, première catégorie, ça va aussi le rapprocher. Attention, Vincenzo Nibali qui revient, ça va le rapprocher dans la course. Au maillot bleu, maillot Azzurro. Ah, ça bascule ici, attention également au peloton, ça va faire peut-être mal hein, ces basculements ici au sommet de ces grimpeurs première catégorie. Et il y a toujours Guarnieri qui roule en tête de ce peloton et pas des grimpeurs pour l'instant. On laisse un petit peu rouler Guarnieri, attention, un peloton compact avec Guarnieri, hein, pas du tout impressionnant comme coureur, mais comme grimpeur plutôt. On va basculer ici dans un groupe complètement compact, un peloton compact qui se présente au sommet de ces grimpeurs première catégorie. Accélération de Fernando Gaviria, hein, qui n'a pas apprécié l'allure ici. Attention au sommet, ça va. S'il accélère comme ça, ça risque de casser derrière. Hein, une accélération brutale et spontanée de Gaviria risque de faire des dégâts derrière. On va voir, on est d'abord à 145 coureurs ici. Et il continue hein, pour étirer un petit peu ce peloton. Fernando Gaviria, qui est 8e au niveau du classement. Par point, regardez, on n'est plus que 131 coureurs. Donc on va se diriger vers ces deuxièmes, ces grimpeurs, le Passo d'Estelvio. On se retrouve tout de suite alors au pied quasiment de Stelvio.
Et c'est parti du côté du peloton, 63 derniers kilomètres. Donc on va faire cette montée mythique du Stelvio ensemble, les amis. Vu que, parce qu'on a raté l'arrivée, l'étape qui a permis à Godu de reprendre le maillot, ben, qu'on va vivre cette étape-ci. Donc là, on fait rouler Marc Sarro pour revenir un petit peu sur des hommes de tête. Et parce qu'on veut reprendre du temps à Primoz Roglic, on sait jamais. Notre leader est très en forme, c'est ce qui explique le positionnement de Marc Sarro, qui a déjà remporté, hein, il a quasiment rempli déjà son Giro. Deux victoires d'étape à la surprise générale. Et son pic de forme s'est déclenché complètement en retard par contre. Hein. Un petit peu décalé, voilà. Donc il a fait son travail au pied du Stelvio. Et c'est parti avec Franchini qui va reprendre le relais. Donc la Groupama FDJ en force et en puissance ici. Alors que devant, 17 coureurs continuent avec Kostekov et Vincenzo Nibali un petit peu... avec Nibali qui fait travailler, et oh, ils étaient à deux en fait, hein. Nibali qui a Bernard avec lui, Vincenzo Nibali, le Recan Messi, on est au dans le Stelvio, et la masse italienne, le public italien et australien ne se trompe pas, parce que là c'est un sommet mythique, théâtre de plusieurs explications, et c'est souvent ici hein, qu'on peut perdre également les Giro, gérer son effort, on est à 20, quasiment 20 km de montée du Stelvio. Ah là là. Ah ouais, c'est voilà. Donc Rudy Mollard a été décroché à la demande de son leader pour porter main forte du côté du peloton. Voilà, donc il attend un petit peu le peloton qui est en train de revenir là sous l'impulsion de Franchini. 107 coureurs, hein, les Jumbo Visma derrière avec Denis Martin. Et un petit peu là dans le peloton, on voit également Sergio Higuita, le maillot blanc par procuration. Ouais, Franchini hein, qui revient. Voilà, on est revenu sur Rudy Mollard qui va reprendre le contrôle très bien. Et Rudy Mollard qui continue, lui qui était déjà du côté de l'échappée pour prendre des points au sommet, revenir un petit peu dans la course au maillot Azzurro. Allez, le tempo ici de Rudy Mollard. Il y a un gros travail, hein, une mauvaise journée pour lui, mais bon, il reste quand même au service de son leader. Il continue le travail ici, travail de sape, et ça casse déjà de derrière. Peter Sagan constitue déjà le groupe Eto sans forcer, parce que les sprinters, là maintenant, c'est le calvaire hein, pour les sprinters, alors que devant également, ça continue, hein, donc ça lâche petit à petit le Stelvio, et la course... à l'usure ici, ça pèse un petit peu dans les jambes de tout le monde là. Et Visconti qui reprend le prochain à lâcher ici, sans peut-être Philippe Gilbert et Bernard, le français qui va lâcher également prise. Et Gianni Moscone, comment il a fait pour être encore là, Gianni Moscone, Ben O'Connor, un bon groupe ici, un solide groupe de leaders, ils ont encore une avance considérable. Alors que si l'on voit là-bas dans les lacets un peu plus bas, on voit le peloton qui est déjà dans les trousses. Voilà le lacet du Stelvio ici. Les hommes de tête sont encore à 13 km pour basculer au sommet. Je peux vous garantir qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Hein, donc ils seront plus à 9, là déjà à 8 ici. Philippe Gilbert a lâché avec Bernard. Alors que dans le peloton, on n'est plus que 5 en 5. Sous l'impulsion toujours de Rudy Mollard. Il n'a pas un gros travail. On aperçoit ici le maillot rose. Ah là là, ça va lâcher également avec Vincent Franchini dans la roue de Godu. Un peu plus bas, il y a Madouas un peu plus bas là. Allez, Rudy Mollard, c'en est fini également pour Rudy Mollard. Attention, ça bouge, j'ai cru voir une accélération là. Une attaque de Mikel Landa. Bah, il s'est tout de suite rassis et puis Madouas qui se porte à l'avant. À mi-col déjà, à du Stelvio, les leaders commencent à s'expliquer là. Les Jumbo Visma, il y a Dumoulin à côté de Primoz Roglic, George Bennett également. Et Franchini reprend la marche en avant. 41 coureurs. On a repris Bernard ici qui était du côté d'échappée. Morton va lâcher. Et également là-bas, Neyland qui ne sera pas d'une grande utilité. Attention, oui, voilà, Mikel Landa, il part avec Madouas. Oh là là, mais quelle course. On est en train de faire une course agressive hein, sur ces Giro. Madouas qui fait travailler les autres coéquipiers, des autres leaders. On ne permet pas du tout des sorties, pas des cartes de sortie. Donc Madouas, 10e du classement général, qui s'est mis au service de Godu.
pour contrôler un petit peu tout le monde ici. Et il y a Georges Bennett à côté. Très bonne forme également hein, de Madouas. On a vu plus de... On est en train de revenir hein, sur les hommes de tête. Ils ne sont plus qu'à 6 là-bas devant. On va reprendre. On va reprendre Piccoli. Un gros travail, un gros tempo de Madouas qui est en train d'abattre un gros travail. Là, il y a Georges Bennett qui reste dans sa roue. Et il se relève un petit peu hein, parce que c'était quand même chaud. Attention, ça bouge. Dès que ça lâche un petit peu, ça bouge. Également cette fois-ci, c'est parti. Le gros leader, les gros poissons sont en train de sortir là. Il y a Godu également qui a pris la route de Pogacar. Pogacar très en forme. Hein, donc il connaît un Giro ascendant là. Hein, donc il avait commencé un petit peu sur le pas. Sur petit pas. Attention, il contre. Pogacar qui contre. Tadej Pogacar. Le leader de la formation United Emirates. Je l'ai dit, hein, il est en train de faire de connaître une forme ascendante sur ce route de ces Giro. Heureusement pour lui, oh là là, il est reparti. Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France 2020, place encore une accélération. Il est parti avec Sergio Higuita. Et l'écart que vous voyez, c'est l'écart qu'il y a entre Primoz Roglic et Godu. Ah oui, Godu, il faut continuer là, il faut continuer. Higuita qui lâche un petit peu prise, on reprend Caruso. Alors que Vincenzo Nibali a fait le ménage, il est devant le Recan Messine. Eh ben, il doit, je ne sais pas comment il va faire pour résister hein, au retour ici du maillot rose. Qui emmène avec lui hein, dans ses bagages, il emmène Sergio Higuita et Pogacar qui sont très très bien. Alors que derrière, le Bokemolema impuissant, ça va lâcher ici avec Yates. Mikel Landa qui avait lancé les hostilités s'est fait avoir ici. Madouas s'accroche également après un gros travail pour revenir sur tout le monde. Il s'accroche mais il est quasiment couillé. Regardez, il n'y a que la barre rouge là, Primoz Roglic en défaillance. Ah ça fait les affaires de Godu. Allez Godu qui continue. Il faut gérer ici, c'est la gestion pure et simple. On est en train de revenir progressivement sur Vincenzo Nibali. Attention, ça contre ici. Tadej Pogacar qui laisse sur place Sergio Higuita. Ah, il a voulu faire les malins pour basculer. Et Vincenzo Nibali va basculer au sommet. Le sommet de ce Stelvio, les points ici. Accélération de Godu au sommet. Et ça a cassé derrière. Attention, ici également. On est en train de revenir là, on revient, Bokemolema revient, ils vont basculer. Alors dans la descente, Pogacar dans la roue de Godu, avec ses publics, Godu est en train de déposer Pogacar là, il y a une attaque de Godu je crois. Ah oui, il est en train de partir, hein. il est en train de partir, Pogacar n'arrive pas du tout à tenir la roue de Godu. Très aérien, hein, le leader de la Groupama FDJ. Il prend beaucoup de risques là pour conforter cette unique. Oui, hein, voilà, il est en train d'attaquer là, je l'ai dit, il attaque. Tenter de revenir sur Vincenzo Nibali, alors que Sergio Higuita qui est avec eux, il est là derrière. Le Colombien va peut-être se faire revoir ici par la virtuose de la descente, Primoz Roglic, qui a 1,56, il doit combler cela, donc ça c'est son terrain de prédilection. Il roule là pour revenir sur Godu, 1,55, il est en train de refaire son retard là dans la descente. Il a 83 en descente, donc lui ici c'est un jeu d'enfant. Et voilà, regardez, hein, il ne sait pas tenir la roue de Primoz Roglic. Hein. Voilà, il va se détacher naturellement. Voilà, il est parti. Primoz Roglic s'est détaché naturellement de ce groupe là. Et la chasse croisée, hein, chasse croisée entre le deuxième du classement général qui était à 7 secondes. Et là, il se retrouve à 1,48. Il est en train de revenir sur celui-là comme une balle. Hein, alors que derrière, dans le groupe ici, Yates lance. Simon Yates tente un peu de revenir sur Primoz Roglic. Et Tadej Pogacar ici qui fait l'effort également pour revenir sur Godu. Allez, Vincenzo Nibali également qui creuse, hein, une autre virtuose de la descente, Vincenzo Nibali qui va bientôt arriver au pied de Tori de Fraile. Ah, Sergio Higuita va se faire reprendre, Primoz Roglic n'a pas fait long feu, hein, ou bien il a peut-être un jour sans, j'en sais rien, mais il n'a pas creusé davantage, il reste toujours à portée de fusil. De Simon Yates au service de son jumeau, le 12e, 14e du classement général. Hein. Donc cette étape va faire des dégâts. On est au pied de cette dernière difficulté alors que Higuita, impuissant, il est en train de voir un petit peu la bataille de loin. Allez, Pogacar n'a que 8, 6 secondes, il va recoller. Voilà, Pogacar qui est revenu
au contact de Godu. Godu qui a maintenant Vincenzo Nibali en tête, 1.41, ça c'est déjà très bien, il faut pas du tout en faire davantage parce qu'on est à 11 km de l'arrivée ici. Et Sergio Higuita ici qui voit un petit peu de très 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 loin la bataille ici. Pogacar, si au moins il relayait, bah il est très bien, hein. Il est très bien là où il est Pogacar. Il était 5ème hein, au départ, il était 6ème je pense, il va prendre la 5ème place ici Pogacar. Alors, il est 5ème déjà, il va reprendre la 4ème place probablement si on en reste là. Voilà, c'est parti, la montée ici, Vincenzo Nibali à portée de fusil. Et derrière, Simon Yates est revenu sur Sergio Higuita. Caruso qui ramène également Higuita. Voilà, Mouadouas, attention, c'est parti, une attaque ici de Bouke Modema. Accélération de Bouke Modema, ils ont 1.29, ils sont en train de revenir là sur Godu et Pogacar. On le voit là-bas un peu plus haut, si on fait le lacet, et ça repartit ici, Michael Woods maintenant. Je sais pas pourquoi ils sont en train de... Mais au lieu de laisser Roglic, mais laisser Roglic rouler, hein, Caruso va lâcher. Il sera pas d'une très grande utilité pour Mikel Landa qui s'est refait une cerise. Alors que ici, pour Gachar, hein, toujours dans la roue, très bien installé dans la roue. Il va peut-être crucifier Godu un moment. Allez, ça monte ici au train. Ils sont en train de réduire leur écart. Hein. Ils sont en train de réduire leur écart. Et on est revenu sur Vincenzo Nibali et Pogacar qui contre. Voilà le contre. Et Godu qui en avait encore sous la pédale. Il va aller chercher la roue de Pogacar. Pogacar qui prend 6 secondes d'avance sur Godu à 5 km de l'arrivée. Et Godu qui n'en peut plus là. Alors on n'est plus qu'à 6. Plus qu'à 6 ici avec Primoz Roglic et Mouadouas. Simon Yates a été distancé maintenant. C'est le frère. C'est Adam Yates qui roule maintenant à 1.5. Allez, devant Sergio Higuita fait la jonction avec Vincenzo Nibali et Pogacar. Et ça va revenir, hein, ça se relevait là. Voilà. Le groupe s'est reconstitué et c'est reparti. Vincenzo Nibali va travailler maintenant pour Bouke Modema. Et nous, on a retrouvé Mouadouas. Allez, à 3 km. Donc tout ce qu'on a fait, bah, c'était pour rien. Mais c'était quand même tenté, bien tenté hein, pour Godu. Tenter de reprendre du temps à Primoz Roglic. Allez, Vincenzo Nibali a tout donné. Ça temporise là. Mouadouas qui reprend un petit peu pour contrôler, pour qu'il n'y ait pas d'attaque. Vincenzo Nibali qui s'accroche. Voilà, ça temporise. Une accélération d'Adam Yates ici. Hein, très vite, très dangereux. Adam Yates qui a fait sauter. L'accélération d'Adam Yates a fait sauter Primoz Roglic. Adam Yates qui prend quelques mètres, 20 secondes d'avance. Et Mouadouas qui fait l'effort ici pour distancer davantage. Mouadouas qui va aller chercher, il va aller chercher Adam Yates sous la flamme rouge. Et c'est Adam Yates qui lance. Mouadouas qui est dans la roue d'Adam Yates. C'est parti, Adam Yates qui va peut-être s'imposer dans le virage. Il passe en droite, attention! C'est la victoire de Mouadouas. Et voilà, Primoz Roglic qui perd 1 minute 10. Top 1 minute 10 ici sur cette étape. Roglic qui chute au niveau du classement général. Et quelle finale, quel sprint ici de Valentin Mouadouas. Ils étaient tous finis, mais il coiffe. On n'a pas fait la même erreur, hein. La même erreur que Godu sur notre étape. Mais là, on a repris du temps à Primoz Roglic. C'est la grosse information avant l'étape. Le chrono Roglic est déjà repoussé. C'était notre concurrent direct. Et là, on assoit un petit peu la domination hein, de Godu. Heureusement que Mouadouas était resté dans ce groupe-ci. Il a abattu un gros travail hein, quand Yates avait attaqué. Et il a ramené tout le monde et terminé en costaud. Alors que Godu en avait encore sous la pédale hein, après cette accélération là. C'est vraiment quelle étape. Le Stelvio nous a donné vraiment une étape. Ça a accouché une grosse étape, une grosse bagarre. Je pense que avec ça, on peut passer des journées tranquilles dans le peloton. Et le maillot rose ne sera pas du tout embêté. Mouadouas s'impose ici au sommet. Cette fois-ci, en fait, qu'on n'avait pas du tout fait l'erreur hein, qu'on avait faite tantôt sur l'étape d'avant tout à l'heure. Et là, on reprend du temps sur Primoz Roglic, qui était le sérieux candidat. Il faudra encore en reprendre sur Adam Yates, hein, qui n'a pas fait... Donc voilà, Adam Yates qui termine quand même quatrième. Et regardez, Roglic qui finit à 1.8 du vainqueur Mouadouas. Et au niveau du classement général, Godu qui est maintenant à 1.15 de Primoz Roglic et Mouadouas qui revient, qui fait son apparition dans le top 10.
Et Roglic 1.15, Adam Yates 1.49, Sergio Luis Higuita à portée de fusil hein, de Tadej Pogacar, Bouke Mollema, Landa. Donc la quatrième place là est vraiment discutée. Donc nous on va contrôler tout ça maintenant pour le prochain épisode. Au niveau du classement par points, donc on est devant, classement de grimpeur, donc on revient un petit peu en course. Non, on est loin. Rudy Mollard est complètement loin, c'est Vincenzo Nibali qui va peut-être aller chercher le maillot de Sam Omen. Et au niveau du classement par équipe jeune, on est devant avec Madouas. Et le classement par équipe, on est derrière l'Education First. Donc voilà, Madouas qui conclut en beauté cet épisode. Et pour le prochain épisode qui sera le 7ème de notre Giro, ça va être deux arrivées également au sommet. Donc une étape, non, une arrivée au sommet plutôt, une étape de sprint pour les sprinteurs et une dernière arrivée au sommet pour les grimpeurs. Et ensuite un chrono de 16 bornes. Donc d'ici là, prenez très bien soin de vous et on se dit à très très vite pour la suite de votre carrière. Prenez très bien soin de vous, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous pour plus d'aventures. À très vite, ciao.